Allez, c'est parti. Je quitte l'église. Hop là. Que je fasse demi-tour. On ferme. Francis est parti devant moi. Je vais le rejoindre devant la mairie pour poser la clé. Et regardez, il est de sortie. Il pleut. Et il pleut bien même. Au revoir, petite église. Alors, les bâtons, le parapluie à la main, d'une main, la perche de l'autre, et je tire plume dans les petits cailloux. Tout va bien, sauf que le parapluie se balotte dans tous les sens. Hop, on passe le portail. Ah, il faut que j'aille fermer le portail. On tourne. Ben oui, les grandes manœuvres comme avec un semi-remorque. Hein. Bon, je ferme parce que là, il faut que je lâche la perche. Bon, j'ai voulu vous montrer mon départ. Je rejoins Francis. Alors, bonjour quand même. Hein. Avec Francis, on s'est dit bonjour. On s'est fait un câlin comme tous les matins quand on est là. Alors, j'ai eu des petits commentaires qui un petit peu me semblaient inquiets par rapport à notre entente à tous les deux. Soyez rassurés. On va vous expliquer un petit peu pourquoi on a marché séparément. Mais j'attends d'être avec Francis, on le fera tous les deux ensemble. Allez, je ferme pour l'instant la caméra du téléphone. Ça monte un peu. Je vous dis à plus tard. Bon, mais j'ai rejoint Francis, j'ai mis la clé de l'église dans la boîte aux lettres de la mairie. Et là, nous sommes sous un bel orage, coincés dans les sanitaires. Et ne riez pas, ne riez pas. Nous avons de l'eau, de l'essuie-tout, de quoi faire nos besoins s'il y a besoin, mais en étant isolés. Voilà. On ne voit pas grand-chose. Il n'y a pas d'électricité, par contre. Ça gronde, hein ? Waouh ! Voyons, est-ce qu'on peut voir ce qui tombe ? Non, on ne voit pas vraiment. Il n'y a que si quand on est sous le parapluie qu'on voit. Voilà. Donc nous avons décidé d'attendre un petit peu. Waouh, il y a des éclairs. Je préfère rester là, étant qu'il y a des éclairs comme ouais, ça. Que t'as rempli. Ah ouais, je ne me sens pas en sécurité avec l'orage. Encore moins en sécurité que ma nuit passée à mal dormir. Ah ouais. Ah oui, là l'orage me fait plus peur. Pourtant j'ai fait des campings en pleine dans les Pyrénées sous tente avec les enfants, mais j'étais plus jeune. Quand on est jeune, rien ne nous fait peur. Coucou. Alors, il s'est écoulé un bon bout de temps avant que l'on démarre. Juste à notre départ, nous avons essuyé un énorme orage. Nous étions coincés dans les sanitaires. Et nous avons vu une fée du chemin qui est arrivée pour nous proposer un café. Elle nous avait aperçu du haut de sa fenêtre, de la maison en face de la mairie. Donc on est allé chez elle. L'orage est passé, nous pouvons repartir. Nous nous dirigeons vers un ciel un petit peu plus dégagé. Je ne sais pas si ça va se voir, mais pas vraiment. Et quand je dis une fée du chemin, c'est Nadine qu'elle s'appelle. Donc on a eu droit au café, petit biscuit. Elle a fait un don pour les enfants. Une randonneuse dans l'âme, que j'espère avoir décidé à venir nous voir à Saint-Raphaël chez Francis et chez moi en Gironde. Nous avons discuté pas mal tous les trois. C'était vraiment une rencontre très intéressante et très agréable. Merci Nadine pour tout ce qu'elle a fait pour nous aujourd'hui.
qui nous a évité ce gros orage. Et franchement, nous étions mieux chez toi que dans les sanitaires. Les chemins de traverse, les routes qu'on prenait avant. Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent. La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. Mais c'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Et d'autres jours on se ment. Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. On dirait qu'on attend sans rien au bout, rien devant. On dirait les petits, vous prenez la place des plus grands. Ce qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant. Il y a l'orage qui nous fait qu'on reste ensemble. Oui. Alors, cette petite vidéo est juste pour vous rassurer, mes abonnés, les abonnés de Francis aussi. Nous ne nous fâchons pas quand nous marchons séparément. Nous avons l'habitude, Francis a l'habitude d'aller en camping, il préfère. Et moi, c'est plutôt le bivouac. Alors, il y a une question de budget qui joue aussi pour moi. Et jusqu'à présent, Francis est assez souvent plié au bivouac. On a été de temps en temps en camping. Mais ces derniers jours, on était fatigués l'un et l'autre. On avait besoin de se retrouver, de faire un petit peu nos habitudes de pèlerin. Donc Francis a eu besoin d'aller en camping parce qu'il était fatigué, il s'y retrouve mieux. Et moi, je préférais le camping, à part ma dernière nuit. Mais ça, c'est pas grave. C'est moi qui ai mal calculé mon truc. Je sais qu'il ne faut pas être en ville, dans un village, voilà. Donc nous, tout va très bien. Nous ne sommes pas fâchés. Nous avons décidé d'un commun accord. Voilà. Oui. Voilà, et Francis a quelque chose à vous dire, d'ailleurs pour vous faire comprendre un petit peu pourquoi nous, 4 mois, sans se quitter du tout, on a fait ça. Oui, nous avons vécu quand même pendant 4 mois consécutifs, jour et nuit. Et si on se souvient, pendant le confinement, il y a des gens qui ont vécu H24 comme ça ensemble, et ça s'est terminé quelquefois par des divorces, par des... Et nous, on a décidé de se séparer, c'est de marcher différemment, chacun de notre côté. De temps en temps. Et il faut savoir aussi que nous sommes des personnes qui vivent seules. Et nous avons aussi besoin de notre solitude, en fait. Alors moi, je suis très heureux d'être tout seul. Et, moi aussi. Alors, bien sûr, le bivouac, c'est bien, mais je préfère quand même... Le confort. Le confort du camping, prendre une douche, me reposer. Et voilà, c'est pas la même vie en fait. Voilà. Ce qu'il y a, si tu l'as accepté souvent, le bivouac, c'est qu'on s'est retrouvé souvent, en demandant juste un simple abri de bivouac, voilà. On s'est retrouvé dans des salles communales. Voilà. Ce qui a quand même, tu as beaucoup apprécié. Ce qui était beaucoup plus rassurant. Même mieux que le camping. Ouais, c'est voilà, vrai, faut le dire. Voilà, donc il y aura d'autres jours où on se séparera.
pour, oui. Mais parce qu'il y en a un qui voudra aller dans un endroit voilà. Et dans l'autre, ou ont besoin de marcher seul, mais il n'y a pas d'inquiétude à non, avoir. Non, il n'y a absolument aucun problème. On continue ensemble, on se retrouve, on est heureux de se retrouver d'ailleurs, et on va aller jusqu'au bout, hein. Il faut qu'on aille jusqu'au bout oui. Pour la cause pour laquelle on marche, pour les d'ailleurs, enfants. On a décidé qu'à chaque fois qu'on va se retrouver, on fera la fête. Oui, hier soir, on a fait la fête. Donc, je pense qu'on va se séparer souvent. En fait, on va pouvoir faire la fête ensemble. Ça fait tard. Allez, voilà, on vous voilà. Dit à plus tard. Oh là, il repleut. Gros bisous. Bisous, bisous. À bientôt. À tout à l'heure. Les promesses inutiles, les feux qui s'étalent sous le vent. La couleur de nos yeux, la vie qu'on voudrait devant. Pas facile, le parapluie à la main qui tient pas comme il faut, donc je l'ai replié, mais c'est pas mieux parce que j'ai des bâtons avec. Je voulais vous montrer Plume derrière qui suit bien, qui suit très très bien même. Voilà. C'est quoi qui nous pousse, qui fait qu'on va de l'avant? Indispensable l'envie, redoutable le temps. Qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. J'ai sorti la casquette, la pluie s'est arrêtée. Par contre, avec la veste de pluie, j'ai chaud. Hein. Ça va, Plume? T'es bien? Tu cherches la route? Oui. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? On s'est trompé. Non. Ah bon? C'est bon, c'est à gauche. C'est à gauche, mais voilà, et je sais quoi maintenant. Et voilà. Allez, je démarre. C'est bien parce qu'on a eu peur que ce soit tout droit. Oh là, oui. Et tout droit, on tout droit, mal. C'était ça. Ouais, c'était parce ça. Que, avec ce qu'il a plu, les chemins sont quand on même. On était vraiment mal, oui. Ils sont boueux, les chemins quand même. Allez, on redémarre. Et là, ça va, c'est des petites départementales. Super jolies. Pas de voiture, calme. Du calme, on est bien tous les deux là. Ah ouais, là, c'est bien là. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil. Ouais, c'est un peu cool. Et comment permanent pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir. Et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Qu'on rallume. Pour que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours.
cacher la misère pour respecter l'argent. Oui, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. Bonsoir à tous. Alors je suis dans une petite commune, Bâhon-le-Comte, de 350 habitants environ. Malheureusement, on voit que l'église aurait besoin de travaux. Sinon, c'est un charmant petit village. Madame le maire et sa première adjointe sont venus nous rencontrer et nous ont autorisé à planter la tente, à installer la tente parce qu'on ne peut pas planter sous un préau. Ne peuvent malheureusement pas nous offrir une salle parce qu'il y a des travaux aussi à faire dans certaines salles, donc par mesure de sécurité on ne peut pas nous autoriser. Mais nous avons un préau, nous avons de l'eau, on nous a ouvert un robinet, nous avons l'électricité pour recharger nos batteries, nous avons eu droit à aller à la mairie pour pouvoir faire un brin de toilette à l'étage de la mairie, un très très bon accueil. Et Madame le maire, demain matin, à 7h30, va venir pour nous offrir le café. Vraiment un très bon accueil, merci à cette petite commune, charmante petite commune. Alors il y a une école, que je croyais que l'école était récente, on m'a dit non, non, elle a 20 ans, mais elle est bien entretenue. Mignonne petite école. Si des jeunes veulent venir habiter ici, il y a l'école qui est là. École Jean de la Fontaine. Ah, super ça. Je vais vous montrer où on va être. Lutin Coquin est en train de faire sa vidéo. Et voilà où nous sommes installés. Le préau à l'abri. La mairie est là. Je vais essayer de finir rapidement ma vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Gros bisous. À demain. Bisous, bisous.